Et bien salut les amis, comme vous le voyez, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour un petit unboxing. J'ai commandé deux nouvelles choses pour l'ordi. Donc on va les ouvrir ensemble, je vais vous montrer un petit peu, on va en parler. Et puis voilà. Donc, on va commencer par le plus petit. En gros, les livraisons, je les ai faites mercredi. Et celui-ci, je l'ai, non, mardi soir, celui-ci je l'ai reçu jeudi. Alors que celui-ci, j'avais pas de date pour le recevoir. Et celui-ci, je vais le recevoir soit mercredi, soit jeudi, soit vendredi. Bah bien sûr, je l'ai reçu que vendredi, donc aujourd'hui je tourne la vidéo. Donc on va l'ouvrir tout simplement. Hop, donc sans ouverture par là. On va y aller un peu comme un bourrin. Bon, hop, hop, même pas besoin d'y aller comme un bourrin, voilà. On n'a pas besoin du cutter, pas besoin d'y aller comme un bourrin, c'est nickel. Donc, bien sûr, je sais ce que j'ai commandé, hein. Mais j'espère justement que ça arrive en bon état ou quoi que ce soit, parce que bah, j'ai fait livrer au boulot. Donc, je sais comment les livres arrivent. Ok, donc déjà, le premier objet que vous pouvez voir, je vous l'approche un peu mieux, qui est juste, du coup, une nouvelle caméra, enfin, une nouvelle webcam. Donc, c'est la Streamcam de chez Logitech. En gros, j'ai changé de webcam pour ce qui se demande, simplement parce que ma webcam est assez vieille et mine de rien, ma webcam ne suit pas trop la qualité que je peux mettre sur Twitch, voire même sur YouTube si j'en ai besoin pour un jour, parce qu'elle peut, elle peut servir sur plusieurs choses. Et du coup, j'ai un pote qui me parlait justement, qui voulait reprendre les streams et où justement, il avait besoin d'une caméra, parce que je lui ai dit, bah, si tu veux, de base, je regardais un peu les prix, tout ça, je regardais pas mal les trucs. Et en gros, la Streamcam, de base, pour vous dire un petit peu, son prix est de 159€, donc 160€. Et moi, j'ai réussi à la trouver pour tout simplement 110€. Donc, quand même 50€ de moins, ce qui n'est pas négligeable. Donc, certes, c'est une caméra assez chère. Mais en vrai, pour ce qu'elle fait, c'est excellent. En vrai, il y a des caméras beaucoup plus chères qui existent. Donc, on va l'ouvrir intégralement pour voir comment c'est fait à l'intérieur, bien sûr. Donc, hop, je plante le petit couteau. Hop, on va l'ouvrir comme il faut parce que si on l'abîme, eh bien, ce serait con. Donc, par en haut. Ah non, pas par en haut. Comment est-ce qu'on ouvre cette connerie? J'ai jamais ouvert un carton. Je bosse pourtant pour ouvrir. Pour, j'ouvre des cartons toute la journée, mais je sais pas les ouvrir. Bon, on va y aller, méthode bourrin, hein, je crois. Est-ce que le scotch est giga mal placé? Ah si, là! C'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Oui, bon, on n'est pas flûté hein, pour ouvrir un carton. Hop. Du coup, là, on tire la languette. La languette ici. Ah oui, d'accord, elle est directe, regardez. Hop. Elle est directe en sortie. Donc, hop. Bon, voilà. On va la sortir complètement. Donc, du coup... Ah oui, d'accord. Ah oui, son câble est incroyable. Il en existe deux coloris. Bon, je vais plus vous l'approcher. Elle existe en deux coloris, la Streamcam. Donc, comme je l'ai récupérée là, en blanc. Et aussi en noir, du coup, de base. Personnellement, je me suis dit, tiens, je vais prendre du blanc, ça changera un petit peu. Et en vrai, ça change, c'est pas trop mal. Donc, pour l'instant, la petite Streamcam, hop, tout ce qui est truc à l'intérieur, on va en mettre à l'intérieur. Sachant qu'on a plusieurs adaptateurs, on a un autre embout en plus, ça c'est pas trop mal. En vrai, il n'y a pas grand chose dedans, c'est tout simplement écrit sur la boîte. Donc, en plus, on est en branchement USB type C. Donc, heureusement, j'en ai un sur mon ordi, sinon ça aurait été con. J'ai fait exprès, j'ai bien voulu tout ça. Et en vrai, elle m'a l'air pas mal sympathique. Bon, bien sûr, c'est comme la dernière fois pour l'écran où je vous donnerai mon avis dans la vidéo dans deux semaines. Et puis sinon, pour avoir mes ressentis ou pour voir qu'est-ce qu'elle donne, eh bien, il faudra tout simplement venir en stream. Hop, on va mettre la boîte ici. Hop, pour que vous la voyez un petit peu. En même temps, hop, là, voilà, nickel. Et devant, on va mettre là. On va la mettre au-dessus, regardez même. En vrai, si on arrive à la poser comme ça par-dessus, ça peut être bien. Bon, elle a, un peu de... elle a l'air d'avoir un peu de poids. J'espère qu'elle tiendra comme il faut sur mon écran. Vous, je pense, il n'y aura pas d'avoir de soucis. Et le deuxième. Bon, le deuxième,
on va l'ouvrir et j'expliquerai après pourquoi ce choix-là. Et aussi, tout simplement, pourquoi est-ce que je change cette chose aussi. Sachant que vous savez, j'en parle beaucoup dans mes streams, mais la chose primordiale qu'il faudrait que je change, c'est ma carte graphique. Mais la carte graphique que je voudrais, surtout les cartes graphiques ces temps-ci sont pas vraiment présentes sur les sites. Elles commencent à revenir, mais tranquillement, et même très tranquillement. Donc du coup, personnellement, pour l'instant, j'attends que ça revienne un petit peu, j'attends de mettre de côté aussi. Même si c'est vrai que je vais pas vraiment mettre de côté, parce que mois de juin, il y a un nouveau truc qui devrait, que je vais commander aussi. Parce que bah, pour ceux qui le savent, eh bien, au mois de juin, il y a le nouveau Mario qui sort, donc Mario Football. Donc il y a un ancien Mario qu'il y avait avant. Et tout simplement, j'avais envie, j'ai envie de l'acheter pour le jouer directement. Et bah, ouais, le truc c'est que j'ai pas de Switch, j'ai pas le jeu, donc voilà. Donc il va falloir que je m'achète une Switch, le jeu et un adaptateur pour pouvoir vous streamer aussi en même temps, bien sûr. Parce que voilà, on n'est pas là pour rien. Ok. Alors, dedans, j'ai quoi? Bon, dedans, c'est la liste de ce qu'il y a dans le colis, ce qui est normal. Et dedans, on a le bousin. Alors, attendez. Hop, on n'a rien d'autre en plus, c'est que de la merde. Hop, ça dégage. Donc, voici la bête qu'on a commandée. Donc, c'est le SteelSeries Apex Pro. Donc, du coup, comme bon, bah, vous l'avez compris, c'est un clavier. Hein. Donc, oui, je change de clavier. Alors, déjà, pourquoi? Tout simplement parce que le clavier que j'ai, c'est un très vieux clavier. Donc, en gros, je vous montrerai, vous aurez une photo un peu plus tard du changement, du glow-up entre guillemets entre avant et maintenant, et avec les deux nouveaux. Et en gros, le clavier que j'utilisais, c'était un Laptek. Donc, pour tous ceux qui étaient, qui sont allés dans un lycée ou quoi que ce soit. Que ce soit dans les lycées ou au niveau collège même, simplement c'est les claviers qu'on utilise. Et comment dire que le clavier, ça fait des années que je l'ai, il a du mal. C'était Sliss qui me l'avait offert quand j'avais créé, tout le setup avant, donc à la toute base. Et je vais voir ce que je vais en faire, je lui demanderai s'il veut le récupérer, parce que de base c'est le sien, je compte pas le revendre de toute façon. De toute façon, je ne pourrais pas le revendre vraiment. S'il ne veut pas l'utiliser, avec l'ancien step que j'avais, j'ai fait un truc chez mes parents, sauf qu'ils ne l'utilisent pas vraiment, mais je mettrai peut-être le clavier. Et en vrai, à force, c'est peut-être même moyen d'avoir un deuxième setup, pas incroyable, mais dès que je pourrais changer toutes les pièces, je pourrais avoir un deuxième setup qui pourrait peut-être être vendu par derrière. Mais je vais rêver. Donc du coup, on va ouvrir ce SteelSeries. Et après aussi, il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi je prenais un clavier aussi cher. Tout simplement, pour ceux qui le savent, c'est le meilleur clavier qui existe sur le marché. Et ma souris de base est une SteelSeries, donc je voulais continuer à partir sur la même gamme. Et tout simplement, pourquoi le Apex Pro? Moi, j'ai pour tous ceux qui le savent, enfin, de toute façon, c'est pas nous peu quoi que ce soit comme d'habitude, mais il n'y a pas de question à se poser, c'est dit partout, c'est le clavier le plus option. Enfin, pour côté gaming, c'est ce qui se fait de mieux. Il y en a des largement très bons aussi pour moins cher, mais je voulais bien rester dans cette gamme déjà, dans SteelSeries, parce que j'adore cette. Enfin, ma souris marche très bien, donc je voulais prendre un petit clavier SteelSeries. Et je me suis aussi rangé vers le plus cher, pour simplement parce que il va faire sur du long terme. Il y a beaucoup de réglages qu'on peut faire et tout ça, ce qui est très intéressant. Et aussi, simplement parce que c'est une petite folie, une petite envie. Pour certains, ils vont s'endetter ou quoi que ce soit pour pouvoir s'acheter des grosses bagnoles ou quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est pas mon cas. Le jour où je pourrais m'acheter la voiture que je rêve, je l'achèterai. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc du coup, pour l'instant, comme on aime bien le gaming et tout ça, comme on joue pas mal, de base, il est pas mal fait pour bien jouer avec Fortnite, mais comme vous le savez, en plus à côté, on recommence à reprendre Apex avec Antoine et avec du coup Fab. J'aimerais bien pouvoir reprendre un peu Call of Duty, mais bon, le souci Call of Duty, c'est un peu ma carte graphique qui commence à avoir du mal, donc dès que je pourrai la changer, je la changerai.
Et en vrai, comme il a un très bon temps de réponse et tout ça, eh bien, petite folie. Donc, on va l'ouvrir pour vérifier comment est-ce qu'il est à l'intérieur. Et après, du coup, vous verrez la différence entre le vieux setup et le nouveau. Maintenant, ça va être de trouver comment est-ce qu'il s'ouvre. Bah, tout comme d'habitude. Hein. Alors, il y a du scotch là. On va aller enlever le scotch par logique. Pourquoi j'ai fermé mon couteau suisse? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, oui, pour certains qui se demanderont... Je fais un peu des dépenses, enfin j'ai fait un peu des, beaucoup de dépenses ces temps-ci. Cette année je fais pas mal de dépenses, donc que ce soit déjà l'écran, là la caméra et le clavier, et logiquement en jouant à la Switch. Après ces dépenses, elles sont pas inutiles ou futiles comme certains pourraient le croire. C'est des dépenses qui sur le long terme vont être là pour rester des dizaines. Plus des dizaines d'années, hein. C'est pour faire un setup, on va dire, de rêve, un setup que j'aimerais bien, et puis voilà, t'as jamais. Alors, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas pour sortir, toi? Est-ce qu'il faut que je te tire comme un donjon, ou... Ah, non. Alors, c'est la même chose. C'était ce que j'ai de l'autre côté, je l'ai pas vu. Jut alors. Hop. Voilà, là au moins on a le droit de sortir. Et sachant qu'en plus, comparé à d'autres claviers, il a un repousse-poignet. Et ça m'intrigue un peu. Alors, on va commencer. C'est le clavier qu'on a direct en dessous. Ouais, c'est le clavier qu'on a direct. Donc on va juste déplier tranquillement la boîte qui est dedans. Hop. Du coup, on a le clavier où il a deux branchements USB. On est quoi? Hop, on va le sortir de son emballage. De toute façon, je vais le mettre juste après sur le setup. Donc, hop. Je vais surtout vérifier. Alors, de base, c'est écrit dessus. Mais en gros, quand je l'ai commandé en AZERTY. C'est vrai que souvent, enfin, le premier temps, les photos sont mises avec des claviers anglais, donc des claviers QWERTY. Donc ce qui est très bien, mais ce n'est pas giga intéressant. Déjà, oh non, la caméra qui est tombée, non. Hop, voilà, tu restes là ma petite, s'il te plaît. Oh bah voilà, je peux la mettre à plat, ce sera plus simple. Je l'avais pas vu, on peut le mettre jusqu'à plat. Alors déjà, j'ai l'impression qu'il est légèrement plus petit que mon propre clavier. Ouais, en vrai il est plus petit, et pour les touches, j'ai pas mis tôt, j'ai l'impression qu'elles sont légèrement plus petites. Mais après c'est pas le souci. Bon après, comme vous le savez, du coup, bah, c'est un clavier mécanique. Et j'aurais pu prendre l'Apex Pro TK qui est de base moins cher. Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas pris? Tout simplement parce que il n'y a pas le pavé. Et moi qui souvent utilise Excel ou quoi que ce soit pour faire pas mal de trucs, eh bien, j'en ai besoin. Donc voilà. Il y a une touche Style Series. Je verrai plus tard à quoi elle sert. Donc en plus, on a un branchement USB dessus. On va voir comment ça marche et tout. Et en dessous, voilà, on a le repose-poignet qu'on peut mettre en dessous en plus. Alors regardez, ça s'aimante tout seul, même à travers le plastique, ça s'aimante. Et du coup, ah ouais, en fait, c'est pour avoir ton poignet plus haut parce que le clavier. Ah oui, parce que le clavier est de base très haut en fait. En vrai, à mon avis, je vais l'utiliser parce que ça a l'air d'être extrêmement intéressant. Bon, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Et à côté, bien sûr, il y a le manuel. Hein. Bon voilà, donc du coup les amis, voilà, c'était la petite info unboxing. Donc du coup, moi je vais passer de l'autre côté. Je vais vous mettre une photo avant après. Donc j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Pour ceux qui l'auront suivi en live, on aura fait du Fortnite vendredi et samedi du coup après-midi, samedi après-midi pour la queue. Et samedi, on sera sur League of Legends. Donc voilà, et du coup, bon, voilà. Si vous voulez passer la prochaine fois, voilà, dès lundi, on est en stream. Comme d'habitude, de toute façon, on est en stream toute la semaine jusqu'au samedi à partir de 20h jusqu'à à peu près 22h, 22h30, voire 23h, ça dépend. Et bien sûr, le samedi, il y a deux streams, donc le stream de l'après-midi qui commence 14h40, 50, ça dépend de si je bosse ou pas le samedi. Pour streamer la cup simplement et puis voilà,
Donc du coup, moi je laisse là-dessus. Et puis je vous dis, eh bien, à dans 2 semaines. Et aussi, au premier pour le best-of. Allez, à plus mes petits louveteaux.